Ah bah du coup, j'ai pris toute l'île du milieu. Sylvar, il va câbler. Quoi? Mais non, mais... C'est enfoiré. Ah bah, fallait faire... Fallait négocier avant, hein. Alors là... Oh, tout ce que je vais récupérer, là, ce tour-ci. Bon... Alors, la map est divisée en deux, avec un petit peu de bleu en haut. Putain, mais tout ce que tu possèdes maintenant. Moi, ça me fume parce que il y a quand même une heure de cela. Tu possédais 4 territoires et tu demandais aux autres, vous pouvez venir m'aider. Attention parce que je vais sans doute repasser devant là juste à ce tour-ci. Ah parce que tu vas envoyer la mining corps. Bah cette fois elle va m'appartenir. Ouais. Ils vont être à moi. Cette occupation militaire de la part des croisés. Tu peux détruire les violets parce qu'ils me pètent les couilles, ils veulent reprendre tous mes territoires. Non, je vais les laisser. Ok, je vais les exploser. C'est pas compliqué hein. Alors hop. Hop, hop. Oh mais surtout en fait, si je le fais, mon bonheur va être... Déjà que j'ai pas... Mon bonheur, il est pas génial, là, en ce moment. T'as vu ton empire, là. Il y a tout qui brûle, même Königsberg. Du coup, t'as accepté la truc pour la province? Oui, je l'accepte. Bon, vu que je me fais chier, je déclare la guerre encore. Je viens de finir deux guerres, j'en déclare une autre. Sylvar, il se fait chier à faire un empire stable et non. Ah putain, ça me tue quoi, ça me tue. Putain, t'as Sylvar qui joue vraiment stratégie et tout, putain, nous. Alors, 1000 soldats par là, là il y aura 1000 soldats par là. Il met des gros pâtés sur les cartes. Non, mais moi y a plus de réflexion. Il y a tellement de divisions qu'il y en a qui restent à la maison parce qu'on les a oubliés quoi. Mais oui, regarde. Sylvar il compte ses hommes et putain de nous, il y a les divisions, il y en a tellement qu'il y en a. On sait même pas s'ils désertent ou s'ils sont juste pas sur le front. Mais regarde sur ton île de départ, regarde un peu. J'ai des troupes, elles me servent plus à rien. On maroufle comme des porcs. Bon bah vu que t'es lent, je m'occupe des... des Garvin Rangers. Laisse-le. Des Vermin Rangers, les fameux Vermin Rangers. Je te laisse 3 tours. Si au bout de ces 3 tours, il y a 1000 soldats qui vont dessus. Je te laisse 3 voix, Gorbatchev. Trouve-moi l'argent. Moi ça va. Hein. Ouais, en plus, le territoire que tu m'as cédé, Sparta, il est tellement dans le malheur que je peux pas construire une troupe dessus. Yeah boy. Ça, bah, moi, c'est la misère économique chez moi. Bon. On est des croisés, mon gars. On fait pas les choses dans la dentelle. Hein. Moi, j'ai une centaine de soldats par-ci, une centaine de soldats par-là qui pop comme ça, pop, et qui servent plus à rien juste après. T'as des pays en hommes qui me demandent des alliances. Non. Non, je n'ai pas envie. Toi, t'as que 967 troupes, Silver. Qui sont extrêmement bien placées et précisément calculées. Moi, je crois que j'en ai 5000. Ils sont placés n'importe comment. Au pif, dans ces eaux-là. Au pif, là il y a 300 soldats, je te fous 600 soldats donc en face de toi. Ah, j'ai fini quand même ces salopes. Tu peux détruire tes soumis là? Tu peux leur apprendre le respect un peu? Ou je leur apprends? Le problème c'est que c'est dit, il faut que j'attende au moins 3 tours pour pouvoir leur déclarer la guerre. Non, parce que là, ils sont pas disciplinés, ils m'attaquent. Et moi, quand ils m'attaquent, je n'aime pas. Je leur envoie, je tue tous les enfants là. Putain, ils sont en train de tout me piquer. C'est la crise, les gars, c'est la crise. Alors là, je mets un soldat. Là, je mets un soldat pour prendre cette île. Là, je mets un soldat pour prendre cette île. Là, je mets assez pour le détruire. Parce qu'il me casse les couilles. Là, je prends.
Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, Toi, tu toi tu crèves. crèves. Non mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Hein. Clairement, oui. Ah merde. Mais voilà. Je regarde à l'est et du coup bah je ne vois pas que j'ai des troupes là. Les armadas. Tu me dis juste, sinon je les éclate aussi, hein. Bon, attends, j'ai une grosse flotte, laisse-moi. Ok, bah je te laisse. Je m'occupe pas de cette guerre. Je retourne au sud. Je Par contre, j'ai retourne. des provinces qui sont plus colonisées parce que les mecs ont pris leur indépendance parce qu'ils étaient pas contents. Maintenant, après, ça va être la guerre froide. Oui, j'ai gagné ma première guerre. Ça y est, enfin. Voilà, regardez mes flottes de guerre qui sont prêtes à attaquer les Où rangers. est-ce Je que suis tu les as? désolé, mais c'est trop tard. Oh, 1300, là il y en a. Là il y en a 1000, 1200. Ouais, pas mal, pas mal. Peut faire mieux, peut faire mieux. Ouais, mais pas, mais en fait mes provinces sont pas assez développées, du coup je peux pas sortir plus de troupes Ah que ça. oui. Et moi je sais pas comment voir pour mes propres Faut que trucs. tu cliques en haut de ton écran, t'as ton signe en fait, ton drapeau. Ah, 6500. Après moi je suis pas au maximum de mon potentiel militaire, hein. Je peux encore en entretenir plein. Ah mais moi non plus, je peux en mettre 1200 de plus. Bah je crois que moi je peux en mettre encore 5000 de plus. 6000. Franchement, ça devient du n'importe quoi là. Non. Attendez, mais j'ai trop de C'est le troupes à pouvoir des déplacer. croisés, ça. Mes frères, mais j'ai trop de troupes à déplacer. La moitié, ils ont pas bougé depuis 3 ans. Non mais depuis tout à l'heure là, sache une chose, c'est que depuis tout à l'heure, je bouge des troupes, hein. Là, j'ai Avec fini. son roi qui se branle la nouille dans son château. J'ai fini sur secteur, là, hop. Pendant que mon roi, lui, il part en campagne, quoi. Et Bon, ouais, vivement que je trouve leur putain de roi. je vous ai couillé, j'ai gagné ma deuxième guerre. It was me, Dio. Bah, je pense qu'on a gagné là en vrai. Attends, Non, il tu penses? Ouais. y a certaines Je suis pas zones. sûr, je suis pas sûr encore. Franchement, je trouve qu'on a pas assez il y a pas assez de troupes sur le jeu. J'arrêterai quand je serai à 10 000. Attends, je suis passé à combien là déjà? Je suis passé à 7 759 déjà. En troupe? Oui. Ouais. Oh, tu veux jouer sur les troupes, attends. Hop. Tu vas voir ma capitale. Oh, t'es pas prêt. La capitale, elle va être plus blindée que le jeu en lui-même. Par contre, je veux pas dire, mais regardez le diagramme de la carte du peuple. Le vert, il est chez moi. Le vert, Ah mais c'est moi le je vois pas le peuple. diagramme. Ouais, je vois pas, moi j'ai déjà. Ça fermait les yeux sur ma puissance. Ah bah au final, c'est toi qui as récupéré le tout territoire tout en haut là. Celui qui était avant à Sylvar, ensuite il est passé à moi, ensuite il est devenu au violet, maintenant c'est à Lucas. On sait pas pourquoi. En fait, il y a des papiers, de la paperasse bureaucratique qui s'est perdue et Ouais. c'est revenu. Et ouais. On sait pas pourquoi. Théoriquement, c'est encore sous ma juridiction, mais pas vraiment, tu vois. C'est comme toutes les provinces indépendantes que j'ai autour de chez moi. Je sais pas si tu vois le bordel que c'est. Non, pour le moment, je laisse tranquille ce petit roi là. Il m'a encore pour le moment rien fait. Et puis. Lol, il t'a pour le moment rien fait, ça veut tout dire ça. Du coup, c'est où qu'on voit les cartes? Les cartes, tu vas dans la planète en bas. Ah ouais, putain, en habitant, t'es pas mal, toi. Par contre, moi, en termes de bonheur, ils sont pas très contents, mes habitants. Non, ça Bah, c'est ça se voit, ça se soulève. Vous avez pas vu ma capitale? Ça vaut le détour. Attends, je vais aller voir parce que. Au milieu de rien, t'as tout ça. Par contre, ta capitale, elle est moins grande que la mienne. Ah, mais il y a plus de soldats que d'habitants dans ma capitale. Ils ont tous un emploi. Il est temps de trouver un emploi stable. Sache que dans ma capitale, même les prostituées. Attends. Je fais chemin arrière avec 475 troupes. Je vais les mettre aussi à Stalingrad. Je pense qu'on peut s'arrêter là en vrai. Moi, j'ai envie de Attends, voir la fin. il reste certaines choses à faire. Il reste Je sais pas certes si autre on doit chose. s'annihiler entre nous pour gagner. Je sais pas. J'ai trouvé leur roi! Putain! Ça fait des heures que je cherche. Des heures, putain. Voilà. Bon, Ah, il était 2000 soldats par ici, 2000 soldats par là. Pire, c'est qu'il aurait une navy pour spot, il aurait vu quoi. Le gars, il réfléchit même plus quoi. Là, j'envoie 10 soldats. Là, j'envoie 10 soldats pour faire joli. Là, j'envoie ça. Oh non, je vais envoyer tout ici. Taran ta 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 ta
Je m'en fous, il n'y a pas d'une reste à Königsberg. Tu regardes, la ville ne brûle pas. Königsberg ne brûle pas. Mais oui, mais c'est parce qu'il y a énormément de soldats aussi. Quand t'as autant de soldats, les gens ils vont pas faire brûler la ville, ils vont faire non, on va rien faire. Un soulèvement, j'ai mal entendu. Non, non, c'est pas nous. C'est plutôt que je vais te soulever, ouais. Toi, ça va, tes vassaux t'ont pas trahi, moi. Il y en a un qui m'a trahi à un moment. Il est mort juste après parce qu'il avait qu'un soldat, c'était son roi. Alors, le seul qui aurait pu me trahir, je l'ai dégommé parce qu'il me plaisait pas. Il m'avait trop cassé les couilles pendant la guerre, il voulait pas que je prenne sa capitale, donc bon, j'étais obligé de le tuer. Voilà, j'ai réuni plus de soldats que dans ta capitale. Ah, tu veux faire la compétition? Ok, c'est... Ok. Bon, alors... Hop. Hop. Je cherche même plus où est-ce que je mets des soldats pour faire la guerre, je mets tout sur ma capitale. Pourquoi? Je sais pas. Pour faire la taille, comparaison de la taille de la bite. C'est littéralement ça en plus. C'est bon, j'ai plus de soldats que toi maintenant. J'en suis sûr et certain, j'en suis persuadé. Ouais, mais moi j'ai des renforts qui arrivent pour combler les rangs. Ok, on ramène toutes les troupes, tout le monde. En tout, ça fait 9000 et quelques. Puis là, t'as Sylvain, en fait, il a rassemblé une armée fantôme, il va te détruire. Les gars, et moi, je suis pas apprenti maroufleur pour rien, hein. Vous pensez bien que dans mon coin, je prépare des trucs. Hein. Le mec, il a une compétence spéciale qui permet d'escalader les murailles et d'ignorer les troupes. En fait, il gagne tous les combats. Il a une compétence qui permet d'ignorer les combats, en fait. C'est Billy Prudent, c'est ça. Bon, bah, les gars, actuellement, je viens d'annexer les îles qui me pétaient les couilles au sud. Ah bah non, il reste lui. Attends. Déclare. Pourquoi je peux pas lui déclarer la guerre? Ah non, c'est... Ah oui, d'accord. Je pense qu'il est dans l'intérêt de former une alliance. Rejeté? Bah non. Mais pourquoi je formerais une alliance? Maintenant, je peux déclarer la guerre. Voilà. Ah, tout ça. Ok. Voilà. Et je le détruis. Bah voilà. C'est pas plus compliqué, hein. C'est l'alliance des deux premières puissances mondiales, quoi. Et la troisième quête. C'est ça. De toute façon, moi je dis la vraie puissance mondiale, c'est Sylvar. Hein. Il contrôle tout dans l'ombre. Parce que la Légion, théoriquement, c'est la tienne. Mais la Légion, en fait, tout appartient. Bon, et vu que. Bon, bah, je vais régler le problème tout seul, du coup. De ce roi qui me pète les couilles. Ça fait une heure qu'il vient, il fait que de me piquer des territoires. Je les reprends. Ensuite, il ramène des bateaux, il va me piquer un autre territoire. Et je vais me ramener avec toute l'armada, avec mon roi, ils vont rien comprendre, hein. Non mais ton roi, mon gars, t'as vu où il est? Il s'est pris une flèche dans le genou en plus à ce qui paraît. Non mais t'as vu tous les soldats qui sont autour de lui maintenant? Bah ils sont tous pris une flèche dans le genou à ce qui paraît. Je renforce ma capitale, je pense qu'il va y avoir une attaque. On est jamais assez prudent. Hein. Après tout, on sait pas ce qu'il y a à l'est de la carte en fait. Hein. On va sortir un mode qui fait une invasion mongole par l'est. Avez-vous vu ma capitale? 33% de mes troupes se trouvent maintenant à ma capitale. Non mais quoi? Et attention, ceci n'était qu'un début. Oui, tout mon pays qui brûle, du coup je peux pas recruter de troupes. Ah mais ils me pètent les... Et ça je pense que c'est parce que j'ai mis les taxes à 200% qu'ils sont pas contents. Moi j'en ai rien à foutre, j'ai quand même gagné mes guerres alors qu'ils étaient pas contents les mecs. C'est la preuve de mes qualités de dirigeant finalement. Écoutez, oui. Qualité de dirigeant. Moi j'en ai pas tellement. Moi ce que je fais c'est que quand j'y arrive pas, je mets 2000 troupes de plus comme ça, au moins je suis sûr de gagner. Quand ça passe pas, t'envoies tes 34. Voilà, c'est ça. Quand ça passe pas, je mets plus de soldats, tu vois. Le nombre de soldats que j'ai mis, je le triple. Qui peut s'asseoir à ma table et dire que autour de son roi, il y a 4000 soldats? Ah bah là, j'en ai plus que toi cette fois. Au niveau de ton roi? Non, au niveau de devant ma ville. Bon. Devant ta ville? Oh, attends! Bon, attends, bon. Alors. 600 ici, 600 ici, 600 ici. Mais tu triches, mec, moi j'ai des feux partout. Non, ce n'est pas de la triche. C'est parce que mon peuple est heureux que je paye des prostituées avec l'argent du peuple et que je mette tous mes soldats à la capitale. Bien sûr.
Et je paye des prostituées avec leur argent. Mais oui. Pour moi, bien entendu, mais ça. Ah bah oui, bon, ils ont cru qu'ils allaient toucher à mes à la MIFA, à des meufs comme ça. Non non non, c'est à moi, c'est à moi. Je suis désolé Sparta, mais il faut que je règle quelques besognes d'ordre cartographique. J'appelle ça de la diplomatie géographique. Ne m'en veux pas. C'est quoi? Il revient assez tôt. Aucune rancune, bien sûr. Il me déclare la guerre pour prendre ce territoire, je suis sûr. Ah, j'ai bien peur que tu recrutes des troupes dans tes villages, mais je vois au loin, je sens une petite odeur de brûlé. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va piquer tes villages qui sont en train de brûler. Et j'arrive pas à savoir si c'est tes villages ou d'autres choses, mais... Kuva. 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 Mais... De toute façon, on l'a fait en toute bonne entente, parce que de toute façon, ces territoires t'en voulaient plus. Parce qu'il fait trop froid. De toute façon, la partie est finie, là, clairement. Ah, mais il reste quelques besognes à gérer. Ah ouais, moi je suis en train de gérer, hein. Je gère les quelques besognes. C'est-à-dire mettre des soldats pour protéger les putes. Non, par contre... Attends, ça brûle toujours chez toi, Sparta, ou t'as réglé? J'ai réglé. Oh le fou. Oh, il va m'écraser. Quoi? Moi, je finis encore quelques trucs et je vais avoir terminé. Qu'est-ce que tu veux finir? Y a rien à finir. Je détruis mes ennemis. Moi aussi, il me reste quelques ennemis à détruire. Il y a ah, 50%. C'était bien ce que je pensais, ce salaud, il va m'attaquer en fait. Il a rompu l'alliance, c'est pas pour rien. Sans rancune, je te l'ai dit, on est ensemble. On va voir si c'est sans rancune. Il va voir 6600 soldats attaquer son chef. Et nous sommes les rouges avant que le soleil ne se lève. À bord. À bord. À bord. À bord. Se déclarer la guerre. Mais il lève des troupes près de chez moi. Vous attaquez sur quel front là? Sur le front, sur nous. C'est la guerre de l'hiver, c'est la fameuse guerre de l'hiver, très connue. Hein. Bon les gars, regardez ma capitale. Sérieux. T'as vu tout ce qu'il y a sur l'autre île là? Si je combine les deux, j'en ai plus que toi. On ne s'estime jamais un Sylvain au pied du mur. Attends, j'ai regardé. Moi je ne finis pas tant que je n'ai pas 10 000 troupes sur ma capitale. Moi je ne finis pas tant que je n'ai pas récupéré mes territoires qui me reviennent dedans. Ce qui veut dire que tes territoires c'était aussi les deux petits territoires que tu me voulais au début. Là où j'ai 129 troupes. Oui mais non, là on peut laisser tout seul. Du coup tu voulais... Oh putain. Oh par contre je pense que j'ai pillé tes villes quand je vais attaquer. Oh. On va massacrer le peuple. Attends, mais là ils se font une guerre, mes frères. Guerre fratricide. Je possède. Alors sache que la population globale de la carte, c'est 67 millions. Je possède 20 millions d'habitants. Ah ouais. Combien je possède moi? 16 millions quand même avec mes petites. Ah. 16 000 troupes, dont la moitié qui se trouve à la capitale. Je sais pas si vous regardez SNK. Et bah ça c'est... comment on appelle ça déjà? Le mur Maria? Non, ceux qui sont à la capitale là, les branleurs. Les brigades spéciales. Voilà, les gars, je vous pro... Est-ce que vous voulez qu'on fasse des élections où on ignore les élections et on a gagné? C'est toi qui vois, c'est toi le chef, de toute façon c'est toi le... Dites-moi, est-ce que vous voulez qu'on continue? Mais ça va devenir en guerre totale? De toute façon, j'ai récupéré les territoires que je voulais, j'ai un petit peu pissé sur les murs de chez Spartan. Ok, bah je viens d'ignorer du coup, parce que sinon c'était suprématie, et ça voulait dire soit vous votez en disant que je suis le grand maître du monde et vous votez pour, soit vous votez contre et vous me faites la guerre. Donc voilà, donc c'est tous ceux qui seront avec moi, hop, ils disent oui et hop, et tout le reste, ils dégagent. De toute façon, c'est Alpharz qui a gagné, celui qui nous a sauvé le cul. Eh, mais ça aussi, ça m'appartient. Ah ouais, ça m'appartient. Le gars retrouve des territoires. Le gars s'est agonné dans Kaamelott. C'est... Vous êtes sûr ça, moi, ça? Attends, je tente un truc. Bon, Sylvar, tu me fais peur avec tant de troupes.
Toi, je... Tu me fais trop peur. Allez. Quoi? Tu me fais peur. T'as pas assez, c'est pour ça qu'il a peur. Hop, hop, hop. Ah non, c'est que j'ai plus de sous, pardon. Autant pour moi. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me dire, mais pourquoi je peux pas construire des troupes? Et après, je regarde en haut, je fais, ah bah j'ai peu de sous. Monsieur, les caisses sont vides, monsieur. Moi, je trouve que tu veux déclarer la guerre, du coup, j'ai préparé quelques petites surprises. Mais... Ouais, de toute façon, je trouve il a un peu beaucoup d'expansion agressif, Sylvain. Ouais, moi aussi. Tu trouves aussi? Ouais. Oh, je sais. Et Donc je serais ouais. deuxième ou quelque chose comme ça dans la game, je pense. Ah, je pensais que j'étais encore derrière toi en pop. Non, tu m'as dépassé. Parce que t'as pris toutes les provinces qui étaient peuplées du rose là. Enfin, du violet, je sais plus comment il s'appelle. Ah, du violet. Oh bah j'en ai pas pris beaucoup, t'as pris une grande partie. Ah non, il y a aussi Silver qui en a pris une bonne partie des roses. Ah, Enfin puis des Sylvain violets. m'a envahi aussi, il a envahi des provinces que j'avais développées. Moi j'ai rien pris des roses, hein, vous les avez piquées sous le nez. Bah si, les Mais qu'est-ce que tu violets, t'en as dis? pas mal. Bande de marcoulins. Par contre, on n'en parle que sur le continent de Nîmes. Genre, tout est morcelé. Genre, t'as un gros pâté vert. Je sais pas ce qu'il fait là. Genre, tu vois, il prélève un petit prélèvement culturel, des taxes. Bah en Je fait, lui, tu vois. c'était comment dire? C'était ah, les territoires que j'ai pris pour venir le délivrer. Tu lui as fait un petit plan Marshall à lui aussi. Bah. Ouais, sauf que moi, le plan Marshall, je l'ai retourné un peu, tu vois. Fait une belle remontada à Sparta. Oh oui. Ah mais dès qu'il a été tué l'autre, c'était fini. Vas-y, mets la map en plein écran, qu'on en finisse là. Vas-y, mettez que vous avez joué, je vais regarder vite fait les stats. Mais il est long. Ah, voilà. Attends, qu'est-ce que je vois là? C'est toutes ces troupes qui se rassemblent près de C'est chez bon, moi. alors, qui... Ah bah oui, bah t'as beaucoup perdu, les Legions of Nîmes. The Legion of Nîmes. Mais par contre, tu voudrais pas un petit peu de ma gueule? De quoi? C'est quoi toutes ces troupes qui se rassemblent près de chez moi? Oh, j'ai fermé le jeu, les gars. Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, mais les gars. Alors, maintenant je vais donner le top des premiers et des machins. Au niveau population, le premier c'est Sylvar, avec 25 millions de Ah. population. Niveau territoire maintenant. C'est toi le premier. Premier, j'ai 226 territoires. Au niveau des troupes, bah c'est le même. Voilà. Bon, bah, ça fait une bonne partie, mes chers.